Chers amis, bonjour. C'est encore pour moi un honneur et une joie que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Et nous allons nous entretenir au sujet du jeûne. J'aimerais pour cela que nous allions dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 17 et donc à partir du verset 14. Nous lirons ces quelques passages. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Oui, Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que jeûner? Jeûner, c'est s'abstenir de nourriture pour un certain temps. Et il y a aussi plusieurs formes de jeûne possibles. Mais ce n'est pas seulement s'abstenir de nourriture, c'est aussi se concentrer sur le Seigneur, sur sa sainteté, son royaume et sa volonté. Pendant le jeûne, les désirs du corps sont réduits, l'esprit s'éveille et s'élève. Contrôlant l'âme, ceci signifie que la réalité spirituelle est discernée très facilement par celui qui jeûne que par celui qui ne jeûne pas. Le jeûne apporte la puissance spirituelle. Quand les païens jeûnent, ils libèrent une puissance spirituelle provenant du royaume de l'ennemi qui les fortifie. C'est la raison pour laquelle il est impossible pour des chrétiens livrés à la nourriture et au plaisir de la chair, de faire des progrès quelconques s'ils veulent conduire des hommes à Christ. Le fait que ces personnes jeûnent et prient considérablement libère une puissance spirituelle qui protège leur esprit contre la pénétration de l'évangile. Donc, le jeûne libère une puissance spirituelle. Quel qu'il soit, jeûne biblique ou jeûne non biblique. Ce n'est pas que le chrétien n'a pas de puissance spirituelle, car Philippiens 2, 9 à 11 nous parle de la puissance qu'il a. Marc 16 également le dit, Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ce que je veux dire, c'est que, quel que soit le degré de ta puissance spirituelle et de ton autorité spirituelle, tu peux encore augmenter cela par le jeûne. Et c'est ce qui nous est décrit dans Ésaïe 58, verset 8 jusqu'au verset 9 et le verset 11. Donc tu ne dois pas rester sans exploiter ce supplément de puissance spirituelle libéré par le jeûne. Nous allons vraiment lire ce passage d'Ésaïe. Ésaïe 58, verset 8, 9 et 11. Voilà ce qu'il nous a dit. En Ésaïe 58, verset 8. « Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. » Verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu releveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Voilà donc le jeûne. Donc ça c'est la conséquence du jeûne biblique. Ce que le jeûne biblique est capable d'apporter dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc Jésus a enseigné trois exercices spirituels, fort nécessaires à la vie de disciples.
que chaque chrétien est. Donc le jeûne est un principe biblique, je le dis, que Jésus enseigna par la parole et aussi par l'exemple dans le but de faire progresser chaque chrétien. Dans certains domaines de votre vie, des victoires ne seront réalisées que par le jeûne et par la prière. Jésus ne nous a pas ordonné de jeûner, mais il nous l'enseigne. Il nous le conseille. Voilà pourquoi donc c'est important de jeûner, parce que cela est nécessaire à la vie de disciple pour notre épanouissement. Et ces trois principes spirituels sont indispensables. Tu vois? Les trois principes que Jésus a dit, qui sont indispensables, c'est donner, Luc 6, 38, prier, Matthieu 6, 9, Matthieu 26, 41, jeûner, Luc 6, 16. Donc le fait de donner ne doit jamais être dirigé vers l'homme, mais vers Dieu. Le jeûne également doit être offert à Dieu avec un cœur plein d'amour et de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Dieu n'a pas besoin de notre don. Dieu n'a pas besoin de notre prière. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne. Mais c'est nous qui avons besoin de donner. C'est nous qui avons besoin de jeûner. C'est nous qui avons besoin de prier pour que nous soyons transformés à l'image du grand donneur et de remporter ainsi des victoires et que Dieu puisse agir au travers de nous. Et dans tout ceci, il y a une manière correcte de prier, de donner et de jeûner, comme il y a aussi une manière incorrecte de prier, de donner et de jeûner. Quelle est la manière incorrecte de jeûner? Nous voyons cela en Ésaïe 58, verset 1 à verset 5. Nous allons lire Ésaïe 58, verset 1 à verset 5. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et pour vous quereller. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ça, c'est le jeûne incorrect. C'est le jeûne que Dieu n'aime pas. Et comme il a dit, quand tu jeûnes ce jour-là, tu cries à Dieu. Mais de l'autre côté, tu frappes méchamment du poing. De l'autre côté, tu te livres à tes penchants. Et tu le connais. Tu sais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Or, nous avons dit au début que le jeûne, c'est une abstinence. Des repas, des aliments, certainement. Mais une abstinence d'autre chose, lorsque nous allons voir dans 1 Corinthiens 7. Une abstinence même du sexe, afin de vaquer à la prière. Puisque Paul le dit, ne vous priez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, ensuite revenez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voici ce qu'il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide.
Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça, c'est le jeûne correct. La manière correcte de jeûner, le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et de cette bonne manière, découleront des bénéfices dont nous venons de lire tout à l'heure. Donc, il est important qu'un cœur plein d'amour pour le salut des âmes puisse motiver notre jeûne. Donc, le jeûne auquel tu dois te livrer doit être un jeûne plein d'amour. Doit être motivé par le salut, pour le salut des âmes. Ton jeûne doit être motivé pour le salut des âmes. Nous voyons que dans Deutéronome 9, Moïse a jeûné pour recevoir les tables de la loi. Dans Esdras, le peuple de Dieu a utilisé le jeûne pour faire agir la main puissante de Dieu en sa faveur. Néhémie, par son jeûne, Dieu a influencé le cœur du roi. Nous voyons également la même histoire au niveau d'Esther. Et Joël, le prophète, affirme que dans les temps, quand les temps sont désespérés, Dieu lui-même exhorte son peuple à chercher son aide. Et la manière de le faire est le jeûne. Et c'est cela qui amène le réveil. Joël le prophète affirme que dans les temps désespérés, Dieu lui-même exhorte son peuple à chercher son aide et la manière de le faire, c'est le jeûne. Et cela amène le réveil. Donc, ceux qui jeûnent reçoivent du Seigneur quelque chose que ne possèdent pas ceux qui ne jeûnent pas. Voilà pourquoi le jeûne est un combat. Satan voulant toujours maintenir l'homme dans l'ignorance de ses droits et de sa puissance. Les hommes de Dieu, comme les chrétiens qui ont un impact sur le monde et dans leur environnement, avaient comme partie intégrale de leur programme spirituel le jeûne. Ils avaient le jeûne dans leur programme spirituel de tous les jours et ils ont ainsi pu impacter leur environnement, ils ont ainsi pu ainsi avoir un impact sur le monde. Nous avons beaucoup de personnes, connaissons, j'ai parlé de Moïse, de Néhémie, j'ai parlé encore de Wesley, de Watchman Nee, de Renard Bonquet, de David Wilkerson, hein, de Billy Graham et autres encore, beaucoup de personnes que nous connaissons, hein, qui, au travers du jeûne, ont impacté leur environnement, ont impacté leur temps, ont impacté leurs semblables. Donc, ce fut l'envie de nourriture qui permit au péché d'entrer dans le monde. Vous connaissez cela? Lorsque Satan s'est présenté à Ève en disant, écoute, est-ce que Dieu a réellement dit de prendre le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal? Et donc, c'est l'envie de nourriture. Quand tu jeûnes, c'est pour promouvoir les intérêts de Jésus et de son Église. Ça doit être ça, la motivation. Et je peux également te dire que pour attraper une baleine, il faut sans doute des jours, des semaines, voire même des mois, peut-être même des années, pour que tu puisses attraper une baleine. Ceux qui pêchent en eau profonde n'attrapent pas autant de poissons que ceux qui pêchent en surface. Mais quand ceux qui pêchent en eau profonde attrapent quelque chose, cela récompense largement toutes leurs attentes et tous les combats qu'ils vont livrer. Cela donc valait la peine de le faire. Si tu jeûnes pour recevoir des petites choses, tu vas les recevoir rapidement. Par contre, si tu jeûnes pour renverser des forteresses de Satan, les résultats ne seront pas obtenus aussi facilement. Il va falloir du temps. Il va falloir de la persévérance. Et oui, pour vraiment renverser les forteresses, il faut du temps et de la persévérance dans le jeûne et dans la prière. Voilà pourquoi c'est un combat.
il faut que tu te donnes du mal. Et cela se voit même à l'échelon social. Nous voyons que, vraiment même au niveau de tous les métiers, de tous les postes, mais quand on veut avoir un bon poste, ben, il faut y aller. Par exemple, au niveau études, il faut vraiment prendre du temps, vraiment se consacrer dans les études, sacrifier du temps, sacrifier peut-être quelques années dans les études et tout pour avoir un bon poste, un bon salaire. Et on le voit. Et donc, quelque part, le psalmiste nous fait comprendre cela, ce que le prix que nous payons au travers du jeûne. Nous allons lire cela dans le psaume 109, verset 24 à verset 28. Nous lisons le psaume 109, verset 24 à 28. Voici ce que nous lisons. C'est David qui parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Voici ce qu'il nous dit. Psaume 109. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que ce soit toi, l'éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Nous avons vu que le jeûne a marqué le corps de David. Le corps de David a été marqué par le jeûne. Donc c'est normal que notre corps porte les marques du jeûne. C'est tout à fait normal, bien-aimé. On ne peut pas empêcher que notre corps porte les marques du jeûne. Hein, parce que nous ne savons pas combien le temps de jeûne de David a duré. Cela ne nous est pas dit. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que par cette description, son corps démontre qu'il a jeûné pendant au moins 7 jours. Voilà. Car les genoux ne peuvent pas s'affaiblir pendant un jour de jeûne ou pendant un jeûne partiel. Non. Il a jeûné vraiment au moins plusieurs jours. Peut-être minimum, peut-être 3 jours, j'en sais rien. Tu vois? Il faut donc qu'un jeûne soit long. Une chose est claire, quelle que soit la longueur du jeûne, cela n'a pas été facile pour lui. Nous avons vu. Nous venons de le lire. Cela n'a pas été facile pour lui. Tu vois? Et son jeûne a eu des conséquences réelles sur son corps. Il l'a senti. Les autres l'ont vu. Ils ont même secoué la tête. Mais une chose, il ne s'est pas arrêté. C'est vrai qu'il est dit que lorsque nous jeûnons, nous devons faire un jeûne en secret. Nous ne devons pas faire la publicité pour notre jeûne. Mais là, David n'avait pas été faire la publicité, mais au travers de son jeûne, les gens ont vu qu'il jeûnait et il ne s'est pas arrêté. Alors, beaucoup de gens disent, « Oh, comme les gens s'aperçoivent que je jeûne, je vais m'arrêter. » Non, faux. Tu as commencé ton jeûne en le secret parce que ton jeûne est long. Tu continues, tu ne dois pas t'arrêter, même si les gens ont remarqué que tu jeûnes. Nous recherchons une réponse, pas celle qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu. C'est pour cela qu'il est impératif pour nous, pendant le temps de jeûne, lorsque les gens s'aperçoivent de notre jeûne, que nous puissions nous appliquer le psaume 69 à partir du verset 13. Qu'est-il dit dans le psaume 69 à partir donc du verset 13? Nous lisons ceci. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. D'abord le verset 12, il dit, je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards. Voilà. Donc, il est important dans notre jeûne, nous ne nous attendons pas à la réponse des hommes, nous attendons la réponse de Dieu. Nous devons donc continuer notre jeûne, nous ne devons pas nous arrêter, même si les autres s'en aperçoivent, même si les autres se moquent de nous. Est-ce que lorsque nous arrivons dans un quartier, en tant que chrétiens, alors que nous n'avons rien dit à personne, nous n'avons rien dit à nos voisins, que nous allons à l'église le dimanche, lorsque les voisins s'aperçoivent que nous allons à l'église, est-ce que nous nous arrêtons pour cela d'aller à l'église? Je ne crois pas. Donc, lorsque j'ai commencé mon jeûne, c'était dans l'intimité avec mon Dieu.
Je n'ai pas à m'arrêter parce que les autres s'aperçoivent que je jeûne. Je ne suis pas en train de faire la publicité du jeûne, mais je suis en contact avec mon Dieu. Je suis en train de crier à mon Dieu, comme nous l'avons encore lu dans le psaume 69. Je crie, je demande à Dieu que Dieu intervienne en ma vie, que Dieu intervienne en ma faveur, parce que j'ai besoin de voir la main de Dieu agir dans ma vie. Même si les gens se mettent à t'accuser, même si les gens se moquent de toi, tu ne dois pas t'arrêter lorsque tu as décidé de jeûner. Surtout si c'est un jeûne qui est long. C'est une affaire entre Dieu et toi. Et la Bible déclare que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce que les hommes pensent de moi a peu d'importance par rapport à ce que Dieu pense de moi. Je répète, ce que les hommes pensent de moi a peu d'importance. Je ne dis pas que ça ne compte pas, mais a peu d'importance comparé à ce que Dieu pense de moi. Car il est dit que chacun de nous se présentera devant le tribunal de Dieu. C'est Romains 14, verset 12 qui le dit. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc si tu jeûnes, tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. Donc nous ne jeûnons pas pour être approuvés des hommes, ni pour recevoir leur louange. Mais nous jeûnons pour avoir une réponse de Dieu. Nous sommes seuls à savoir si Dieu nous approuve ou pas au moment où nous jeûnons. Il est écrit que Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit, alla dans le désert où il fit 40 jours de jeûne et il est resté dans la prière. Malgré les attaques, Jésus ne s'est pas arrêté. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des attaques que nous allons nous arrêter, que nous allons abandonner. Matthieu 24 le dit, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin auront la couronne, recevront la couronne. Donc notre jeûne n'est pas pour obtenir des résultats rapides. Bien que cela ne soit pas exclu, notre jeûne, ce n'est pas toujours pour obtenir des résultats rapides. Bien que cela ne soit pas à exclure, mais notre jeûne, c'est pour être des instruments de salut et de bénédiction entre les mains de Dieu. Je dois jeûner pour être un instrument de salut et de bénédiction entre les mains de Dieu. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Tout ne se fait pas toujours immédiatement, mais nous devons continuer à progresser dans le jeûne. Oui. David était un roi. Parce qu'on peut se dire, oui, mais moi je travaille, je ne peux pas jeûner. David était un roi, il était aussi un soldat. Donc un homme très occupé. Mais David avait compris l'importance du jeûne dans la vie d'un homme. Et David s'est consacré au jeûne. Malgré qu'il était soldat, malgré qu'il était roi, il s'est consacré au jeûne. David a donné une priorité au jeûne. Paul, pareil. Paul a commencé son ministère avec le jeûne. Et il a continué par la suite. Et il a été celui qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament. On peut lire cela dans Actes chapitre 9, versets 8 à 12. La plupart de ceux qui s'engagent partiellement dès le début du temps aussi à continuer jusqu'au bout de la même manière. Par contre, ceux qui s'engagent progressivement, tous ceux qui s'engagent entièrement, finissent également entièrement dans le Seigneur. Donc il est important, bien-aimés, que nous puissions savoir mettre les priorités par rapport aux jeunes. Et lorsque nous jeûnons, qu'est-ce que nous recevons dans le jeûne? C'est important de savoir cela. Nous lirons, donc la parole déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 8. Nous allons lire cela, Proverbes, chapitre 8. Et nous commençons donc à partir donc du verset 17. Proverbes, chapitre 8, et à partir du verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? En Proverbes 8, verset 17. Voilà ce qu'il nous a dit. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, sans la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. » Qu'est-ce que Dieu dit là? Il dit, j'aime, il a commencé par j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il n'a pas commencé par la bénédiction d'abord. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Donc, jeûner pour le Seigneur, pour être un instrument de bénédiction et de salut, dans la main de Dieu, c'est aimer Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, aimer Dieu, c'est faire cela. Il dit, il aime ceux qu'il aime. Et il dit, avec lui maintenant, sans la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc, nous pouvons avoir toutes ces choses lorsque nous aimons Dieu.
et que nous l'aimons véritablement de tout notre cœur.